Return to New York. Yeah. Oh, ça va faire du bien de jouer, de me détendre là. J'ai remplacé une dalle de liège dans la salle de bain et j'ai essayé d'être plus soigneux que la précédente où ça donnait caca et qu'elle redécollait, mais ça redécollait des murs. Mais je suis pas doué pour ça, j'ai beaucoup à apprendre. Je sois plus méticuleux et soigneux. Enfin bon! La luminosité sur mon écran. Ouais, du coup, je vois que plus. Oula. Ah ouais, c'était la porte du frangin, mais il est mort. Oula. Le MJ12 a tout foutu en l'air. Ok, je m'attendais pas à un comité d'accueil pareil. Mais je suis dans un appart, je suis même pas dans la rue. Mais ça va pas, non? Je suis choqué. C'était le code. Des tonnes d'occurrences sur Paul. Merde! Je me souviens pas du code du tableau de Paul. Je
pense que c'était un email. Code pour avoir accès au bordel au frangin. Je sais plus. Oh, c'est con quand même. C'est vraiment con. Ah, j'aurais gagné un décodeur si j'avais retrouvé le mot de passe, mais je sais plus, tant pis. Neutre. Tant pis, là, y'a rien. C'est affolant. Mais qui me tire ? Je veux pas retourner dans l'appart du frangin.
endommagé, hein, le salaud. Putain, cette puissance de résilience, j'ai envie de dire. C'est divin. Ah, je peux les repirater. Oh, c'est bon. Je peux lui voler son bon crédit? You out here because of martial law? I didn't know they were using Marines. Nah, Yanako likes to work alone. I just came out to look up a girl I used to know, Sandra Renton. FEMA gave me a pass for the curfew. She left town. I know. Just my luck. What's FEMA doing handing out travel papers? They took over the advanced submarine base where I work. I don't like being pushed off duty, but I guess little R&R never hurt anyone. They brought in their own staff. Most of us were moved out of the main submarine hangar last night. FEMA set up a perimeter. We sure like to know what's going on in there. I'm sure FEMA has a good reason for the tight security. Yeah, because they know there ain't no emergency, and they have no reason to be out there. What do you want? Prices have tripled to 30 because of martial law. Never mind. We know a cover-up when we see one. Price on your head. What are you doing in the city? I didn't expect the kitchen to be under martial law. People know the government has a vaccine. Riots everywhere. You still on the dole at UNATCO? I never mentioned. I've been working for the NSF all along, and the Illuminati. I'm on your side. Right, the Illuminati. I need to find one of their leaders, Stanton Dowd. A load of plague virus is on its way to New York. Virus? You mean the Great Death? What's Dowd got to do with it? The same corporation that makes Ambrosia also manufactures the virus. Quite convenient. The virus came over in a super freighter previously owned by Dowd. Yeah, most of Majestic 12 is just hand-me-downs from the Illuminati. Huh. We knew about Ambrosia, but the virus? That's news. They're infecting people on purpose, huh? I was hoping Dowd could tell me where the freighter would unload. I'll contact him. Go to the burn-up storefront of Osgood & Sons, over where the tunnels connect to the warehouse district. You know, where the NSF had the generator. I'll try to get him to meet you there. Osgood & Sons. Yeah. And JC, be careful who you mention the Illuminati to. Like Joe Green. He's a spy for UNATCO. The reporter? Are you sure? Here's the proof. Hey, kill Green and you'll be doing all of us a favor. I saw him hanging around the free clinic. Bien fait de pas parler aux journalistes. C'était tôt pour le faire.
bien les gens qui laissent leurs billets. Ça me rappelle une fois où, lorsque je prenais régulièrement le bus à Nancy, une fois j'ai trouvé glissé entre le siège et le châssis du bus, enfin la structure même du bus, j'avais trouvé un billet de 20 dollars, j'allais dire 20 euros, qui avait glissé d'un précédent usager. Voilà, le plaisir d'avoir gagné 20 euros. Le cadeau du bon Dieu. Allez, 20 euros n'ont pas été perdus pour tout le monde, comme on dit. Je sais même pas ce que je fais. J'ai plaisir à flâner dans le... dans cet endroit, parce que je sais que je vais pas me faire... viser, flinguer. Ah oui, les terminaux d'information publique. Tiens, je les oublie. Oh là là, loi martiale déclarée. Tous les citoyens de New York sont solennellement informés qu'à la requête du gouverneur Walpole, le président Meade a déclaré la loi martiale à Manhattan dans les environs immédiats. La mesure prend effet immédiat. Jusqu'à nouvel ordre, les zones concernées sont placées sous l'autorité de la FEMA, la Federal Emergency Management Administration. J'ai lu très vite. Federal Emergency Management Administration. Qui collabore avec l'UNEDCO et les forces de police locales pour éliminer la menace terroriste qui a paralysé la ville la semaine dernière. C'est une mesure extrême, une de celles qu'on ne prend qu'avec une extrême gravité, mais elle est nécessaire pour pouvoir continuer à assurer la sécurité des citoyens de New York, a déclaré Walter Simmons, directeur de la FEMA. J'insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une mesure provisoire qui sera suspendue aussitôt que les choses seront retournées à la normale. Les citoyens sont informés qu'un couvre-feu est institué. Il s'applique de 9h du soir à 7h le matin. De plus amples informations suivront. Putain. Alors, ennemi public numéro 1, J.C. Danton. Salaud. Il est demandé à tous les citoyens de New York d'être à l'affût du terroriste J.C. Danton, ainsi connu sous le nom de Psycho. Danton est recherché pour sa participation à plusieurs récentes affaires de déstabilisation, et notamment pour l'attaque du QG de l'UNEDCO, pour l'attentat de l'immeuble de Versailles à Hong Kong, et pour les meurtres de Joan Ivanovich Lebedev, de l'agent de l'UNEDCO Anna Navarre et du directeur de l'UNEDCO Joseph Vanderlecht. Danton mesure environ 1m85. Il est à noter qu'il présente des cicatrices argentées ainsi que des yeux bleus perçants, résultant d'une modification génétique qu'il a pour habitude de camoufler derrière des lunettes. Il est armé et est extrêmement dangereux. Si vous croyez l'avoir aperçu ou que vous connaissez quelqu'un qui répond à cette description, ne tentez en aucun cas de l'interpeller ou de le provoquer, mais contactez immédiatement le plus proche représentant de la FEMA, de l'UNEDCO et de la police. Alors, nouveau crématorium. Conformément à la directive de santé publique 27 de la FEMA, la PHD 27, tous les corps doivent être incinérés sans délai et jusqu'à nouvel ordre. Pour faciliter les opérations, un nouveau crématorium a été ouvert au stade des Yankees. Il est cependant demandé aux citoyens de ne pas transporter les corps par leurs propres moyens, mais de contacter plutôt le service d'urgence de santé publique. Un service d'urgence, blablabla. Le non-respect de toute directive FEMA est passible d'une amende, d'une peine minimum de 3 ans ferme et ou une amende de 10 000 crédits. Putain, ça calme. Fermeture gouvernementale. Jusqu'à nouvel ordre, tous les services de la ville et de l'État resteront fermés et leur personnel suspendu. Les écoles publiques, les autobus municipaux, les services des éboueurs, les entretiens des routes. Par ailleurs, tous les vols prévus au départ et à l'arrivée des aéroports Kennedy et LaGuardia sont annulés. Putain. Perturbation de trafic. En raison des récentes actions terroristes, plusieurs stations de métro sont provisoirement fermées au trafic et au public. 18e rue, donc 11th Street. Battery Park, York Street, Clark Street, High Street, Queensbridge et Queensborough, ligne Pelham Green de Alter à Middleton. Un service de remplacement a été mis en place à proximité des stations fermées. Pour tout renseignement, contactez blablabla. Les laissez-passer seront strictement contrôlés pour empêcher tout déplacement non autorisé. Le couvre-feu sera observé dans l'ensemble du réseau. Eh ben dis donc, c'est moche. Ah oui, il m'a donné la photo du journaliste à liquider. Dowd doesn't like to be contacted directly.
Non, les jeux de la loi martiale. Putain. Y'a plus une thune dans le... dans les distributeurs, les dames. La musique, elle est extra. C'est là où tu te dis, j'ai appris par cœur les rues de New York. Ça serait pratique pour trouver le point le plus rapide. Enfin, la ligne droite. Oh la vache! Je finis par douter. Comment je vais faire? Tuer John Green, le traître à la clinique publique. Impossible. Je veux pas faire un carnage et liquider tous les policiers de la ville, ils font leur boulot. C'est horrible. Je me fasse tout petit, mais... Oh putain. Stay out of the street. Cops shoot at anything. Non. Non. Ne me dis pas que je peux retourner chez le J12 dans les égouts. C'est une blague. Fighting was heavy in this area. Watch out for guards. Ah oui! Ah, ils sont revenus, les salauds! Ah, c'est intéressant, ça! Putain, ils ont réinvesti leurs locaux alors que je leur ai foutu une déculottée! Merde! Hey,
correct, inform. Attach. Street's clear. No danger. Il commence à bugger, Dead. God! Aïe. Alors, on va lire les mails. Alors, donc là, c'est l'ordinateur de l'accueil de la clinique gratos de New York. Alors, de la part de G.L. Raid à destination de Imprieste. Sujet, rester à la maison. J'aurai une conversation avec chaque membre du personnel, mais si les émeutes sont aussi violentes que demain qu'elles l'ont été aujourd'hui, je souhaite que vous restiez chez vous. Cet endroit ressemble de plus en plus à un camp militaire. Je ne suis pas sûr de connaître l'ennemi et il m'arrive de penser que ça pourrait être nous. Quoi qu'il en soit, je vais maintenir la clinique ouverte. Nos rares réserves ont été transférées et l'endroit pourrait être au moins faire office d'abri à ceux dans le besoin. Si je réussis à venir demain, je prodiguerai des soins à ceux qui sont ici du mieux que je pourrai. Soyez prudente, signé Allred. L'autre mail, c'est de la part de Lisa Priest à destination de la Priest. Sujet, que se passe-t-il ? Je ne sais pas si cet email te parviendra, il a déjà rebondi plusieurs fois sur le New York Net, mais je continue d'essayer, en espérant que la suspension du réseau n'est que provisoire. C'est le blackout presque complet sur ce qui se passe à New York. On parle juste de terroristes et de la loi martiale. Et les dernières infos pirates télévisées montraient des hélicoptères furtifs et des soldats en tenue anti-émeute. On dirait la guerre. Le président a fait une déclaration pour affirmer que ces mesures n'étaient que provisoires, qu'elles étaient nécessaires à la protection de notre style de vie. Voilà à peu près ce qu'il a dit. À la suite de quoi, un autre des étudiants ici a préparé son départ pour Lagos. Il a même un passeport. Je commence à me demander si c'était pas une bonne idée. Personne n'a réussi à te joindre et nous espérons tous que tu vas bien. Appelle-nous, écris-nous aussitôt que tu pourras ou fais au mieux, je pense à toi, Liz. The clinic is closing. Hey, Coleman. How you holding up? I'm fine, just fine. Come on, we're safe in here. How long are we gonna be safe, Ike? They're just shooting people for no reason. Don't you worry, this'll all pass. Sure it will. God damn, but I'm tired of living like this. Smart man. Staying off the streets. Too much trouble out there. Lot of bad mojo. Monsieur Beto? You, sir. Are you here because of the plague? You some kind of journalist? Joe Green, full reporter, Midnight Sun. Don't expect any help from the doctors. I interviewed them myself. Poker-faced as politicians, both of them. Didn't even blink when you say the word ambrosia. Joe Green. I heard that you're a spy. A spy? For whom? I just want to hear your side of the story. So, am I working for the CIA or FBI? You tell me. Either way, they'd have me wearing a better suit. I'll take that as a denial. Something newsworthy about the clinic tonight? Haven't you heard the stories coming out of Hong Kong?
The plague is big news. What do you think? Do you believe the government had a cure all along? Could be. They've got proof. They found the cure. It's called ambrosia. Don't believe everything you read. Har har. Check the public terminals. It was a big day in the news. Il a pas dit grand chose, donc je vais recharger. On a vu si c'était pas une combinaison pertinente. Bon, moi j'ai la classe de parler à mon ennemi avant de le buter. You sir, are you here because of the plague? You some kind of journalist? Joe Green, full reporter, Midnight Sun. Don't expect any help from the doctors. I interviewed them myself. Poker-faced as politicians, both of them. Didn't even blink when you say the word ambrosia. Joe Green, I heard that you're a spy. A spy? For whom? You aren't a reporter at all. You work for UNATCO. Guess you scooped me this time. Il m'a fait mal, ce salaud. Merde, je fais des conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas mal celle-là. Ce que je viens de voir vient de me faire tiquer. Alors, deux autres courriels pour la clinique. De la part de Timor à destination de G. Allred. Sujet, ma réponse à rapport hebdomadaire. Merci de votre raptor. Votre raptor. C'est Jurassic Park. Non, sérieux. Merci de votre rapport. Mais il me faut être franc avec vous, la situation ici se détériore plus rapidement que vous ne le pensez, et le conseil est totalement paralysé. La fameuse donation de 10 millions de crédits promise par Page se fait douloureusement attendre. Les deux tiers du personnel ne sont pas venus travailler ces derniers jours. Des rumeurs ont commencé à circuler sur l'existence d'un traitement contre la peste grise, et nos réserves de médicaments sont aussitôt devenues la cible des émeutiers. Les médias se sont montrés totalement irresponsables, excitant la frénésie des foules. Des troupes de l'UNATCO ont pris position autour de la réserve, ils appellent ça une occupation de maintien de la paix, et ils contrôlent de fait toute l'activité de la clinique. Ceux qui viennent demander des soins sont aussitôt expulsés, manu militari. Je ne suis plus très sûr de qui mène le jeu ici. Si vous recevez ce message, faites ce que vous avez à faire, et décidez si on doit ou non fermer la clinique. La priorité doit être la sécurité de vous et de votre personnel, et je ne vois pas en quoi nous sommes utiles désormais, amicalement Thomas. Alors, de la part de Walter Simon, le grand méchant, là, Dark Vador, à destination des autorités médicales de New York, sujet rumeur, à tout le personnel, les récentes attaques terroristes contre la ville et la population de New York, et la déclaration de la loi martiale qui en a suivi dans le but d'endiguer cette marée de violence, ont malheureusement créé un environnement où la rumeur s'est substituée aux faits comme base de l'information. Dans le but de nous assurer que vous disposez des dernières nouvelles officielles, la FEMA vous fera parvenir des communiqués quotidiens. Seules les informations officiellement vérifiées et approuvées par la FEMA sont dignes de foi. Mais surtout, je veux mettre un terme à une rumeur en établissant formellement qu'il n'y a pas de traitement contre la peste grise.
Les chercheurs du gouvernement travaillent jour et nuit pour en mettre un au point, mais toute rumeur relative à un traitement secret gouvernemental n'est qu'un scandaleux mensonge. D'autres communiqués suivants. N'hésitez pas à contacter les représentants de la FEMA ou de l'UNAECO, le plus proche de tout, pour toute question. Walter Simon, direction de la FEMA. Oh là, la campagne de contre-information, c'est horriblement génial. Ah. Ah, je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Inspection des chiottes. Oh putain, c'est les chiottes les plus tristes que j'ai jamais vues. On est dans une clinique. Même les chiottes du métro sont mieux aménagées. Putain, faut le faire. Et je me pose la question, est-ce que je suis en droit de... Ça marche pas. Je peux pas transporter un robot avec moi. Ce serait très chiant. Calm. Now you home. C'est quand même bizarre de concevoir une entrée aussi tortueuse pour une clinique. Enfin, ils en sont peut-être familiers à New York, mais... Oh non, ça me fait chier. Fantasme pour des réalités, moi. J'ai cru qu'il y avait une clé d'accès, je sais pas. Bah, c'était le cas dans un jour précédent, une mission précédente. Là où j'ai l'air con, c'est que je sais pas où je dois aller.
tiens, qui c'est qui a défoncé là? Putain. T'es qui toi? Ah mais c'est toi! Je t'ai trouvé ma couille! You doubt? I agreed to see you because we have a mutual enemy. Why a vacant building? I thought the Illuminati were bankers, politicians, Council on Foreign Relations types. We always stayed in the background, even when that was true. You all right? Caught this damn plague myself. Anyway, we never had troops like Majestic 12 or freighters full of bioweapons if what you say is accurate. It's accurate. I just don't know where the freighter would dock. They'll want to hide it. The only facility big enough on the East Coast is the Advanced Submarine Facility at the Brooklyn Naval Shipyards. Of course. That's why FEMA took it over. They're probably storing the virus in the ship's diesel tanks. The only way to make sure... The only way to make sure it's destroyed will be to scuttle the ship. Scuttle a super freighter? It can be done, if you know where to place the charges. Smuggler should have explosives that will work. I already have some explosives. I'd pick up some more while I have the chance. But if you think you're equipped, then find your pilot and get going. You sure you're all right? I'm hanging in there. If you come across some ambrosia on that ship, however... Don't worry, I'll get you some medicine. I'll give you a blueprint of the ship. The X's mark the 5 tri-hull wells. Crack those up. Reverse the bilge pumps, and the ship will split open like a banana. Tong told me he found an interesting molecular signature on the virus. A clue to who developed it. Okay. I am certain it was a former member of the Illuminati. The custom among our scientists was to sign their work like painters. D'accord. It was a group of conspirators within the Illuminati that formed Majestic 12 to begin with. Okay. The conspirators were far more ruthless than we were. We couldn't compete. Majestic 12 realized that technology alone could be a source of political power. Il dit que des répliques intéressantes. However, the Illuminati laid the foundation. The multinationals, the global structures Majestic 12 depends upon. Majestic 12 inherited a system that took millennia to develop. It's true that our organization stretches back to the Order of the Assassins, or Hashishin, but not in the way you might imagine. Moi, je relais de la vérité si tu meurs, malheureux. The Order hasn't so much lasted, has been continually revived. Adam Weishaupt started from scratch in Bavaria in 1776. But so did Thomas Jefferson a few years later. It's the idea that has lasted. The system. Or the desire. Every thinking person's desire to give the world some decent organization. Cecil Rhodes, for instance. Absolutely no formal connection to the Illuminati at all, but one of the greatest visionaries of centralized power. Now we have Rhodes Scholarships, which feed recruits right into the Council on Foreign Relations, a very powerful tool. Il déballe tout, le mec. In my opinion, the history of the human race has been one long succession of conspiracies. Deceive ourselves. We call the successful conspiracies governments. We're running out of time. Better track down the smuggler.
We're running out of time. Ça y est, j'ai épuisé ses répliques. Better track down the smuggler. Oh là là. Alors, allez voir le passeur pour obtenir des explosifs suffisamment puissants pour couler un cargo. Rapportez de l'ambroisie à Sandstone Down pour contrer le virus de la peste grise. Et sinon, principalement, couler le PRCS à World Cloud en détruisant les 5 soudures d'écale avec des explosifs et en inversant les pompes. L'inversion des pompes déstabilise l'équipe du navire en train de rupture de la côte. Oh la vache. Et B. Ah, allez voir le passeur pour venir des espèces de cargo. Et c'est quoi qui m'a donné comme image? Ah oui, d'accord, c'est un pont supérieur et un pont inférieur. Ça, laisse tomber, je suis mort. Oh putain. Que je laisse le mec ouvrir la porte et me tirer à... Ah putain, mais c'est dingue. MJ-12 troops converging on your position, JC. I'll land the copter on the roof of the tunnel. Get out of there. Il faudrait presque que j'y aille à la... Putain, j'ai plus de grenades, non, mais t'abuses. Je vais pas gâcher de grenades pour ça. Gotcha. Oh les salauds. Ah là là, j'ai loupé mon saut, c'est la panique. Non. Putain. J12 troops converging on your position, JC. I'll land the copter on the roof of the tunnel.
get out of there. J'ai pas de... Y'a pas de cube, y'a pas de... J'ai que des tenons de... Non! Oh là 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 là! Et puis ils sont trop nombreux! Oh les salauds! Aucune pitié! Ou alors je les liquide un par un? Mais c'est la violence! Troops converging on your position, JC. Voilà. I'll land the copter on the roof of the tunnel. Get out of there. Okay, drop it. Merde, l'idée était bonne. Ils passent pas les braceros. What the hell? L'idée était bonne. Et en plus, il se brûle apparemment. Donc, je vais faire ça. MJ-12 troops converging on your position, JC. I'll land the copter on the roof of the town. Get out of there. Attention, F6 avec F11. Ça a l'air valable, mon truc. Allez.
J'en retire mon souffle quand je tire à la souris là. C'est dire la violence là. Avec le recul terrible, je remets la souris vers le bas. Carnage. Le nombre de balles que je tire. Request backup. Apparemment, il n'y en a plus. Oh, le carnage. J'en ai liquidé combien? Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il me donne des munitions de... Oh, le nombre de morts. Oh. Aïe, merde. Attention. Merde, j'ai rien d'autre. Oui. Oh oui. Let's go. Wow. Et attends. Attends. Apporter de l'ambroisie à Saint-Sandor pour contrer le virus de la peste de Venise. Attends, ce qui me fait peur, c'est que je veux bien lui rapporter de l'ambroisie, mais il n'y en a pas à New York. Je pense pas. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais même plus ce qu'il m'a dit. J'essaie d'organiser un rendez-vous là où il y avait le générateur des terroristes.
Ah, si vous trouvez de l'ambroisie à bord. Ok, donc je peux vraiment prendre l'hélicoptère maintenant. Ah, d'accord. I'm ready. Ah, il y avait des snipers sur les toits, dis donc. Putain, j'avais pas vu le mec. Oh la vache! Chantier naval de Brooklyn, division des sous-marins de guerre. A plus, Job, merci. Et là, t'entends. L'horreur. Oh, Chuck. Fatigue là. Mais c'était bien.